Okay, bonjour, nous sommes avec le coach Jean-Pierre Cyprien. Donc, donnez-nous vos impressions de cette rencontre, une défaite 4-0 contre le Stade. Qu'avez-vous retenu de ce match? Moi, je ne retiens pas spécialement la défaite, puisqu'en fait, nous étions diminués de 5 joueurs. Nous étions 12 joueurs sur la feuille de match. Et puis, contre le Stade Lamantinois, on ne passe pas de devenir à 12. Et malgré cela, les enfants, les jeunes ont tenu. On n'a pu faire qu'un changement chaque fois. Ils se sont battus, mais on prend, disons, 3 buts sur coup de pied arrêté. Notre gardien, plus ou moins titulaire, est blessé, Osgood. Donc on fait confiance aux jeunes, U13. Nous avions 2-3 U13 avec nous pour la première année. Mais le Stade Lamantinois reste quand même, pour nous, une très belle équipe de football. Ça joue au football avec des gamins qui ont quand même un gros potentiel, comme le petit Solvay, le petit Lucas. Derrière, un gardien solide. Bon, 4-0, je ne retiens pas le résultat du match. Hein. Je continue le contenu. Dans le contenu, j'ai vu de belles choses chez mes garçons et de très belles choses au Stade Lamantinois. Et justement, en parlant de ce contenu, on sait que le Stade est en partenariat avec Rennes et vous êtes en partenariat avec Reims. Qu'avez-vous retenu de ces deux clubs formateurs? Moi, j'ai toujours eu de très bons rapports avec le Stade Lamantinois, ça ne changera pas. Mais je reste toujours sur ma position. Des gamins que j'ai toujours vus, comme le petit Lucas La Rochelle depuis U13, U12, je le connais. C'est un gamin qui m'a toujours... J'aime ce style de footballeur, quoi. Gamin qui percute, gamin qui va vers l'avant, qui change de rythme, qui est emmerdant. Et puis le petit Solvay que j'ai découvert il y a 2-3 ans et qui a signé, peut-être grâce à la Gauloise aussi, au Stade de Reims. Il était venu chez nous lors d'une petite section. Et j'avais parlé au directeur du Stade de Reims que ce gamin-là avait un gros potentiel. Et il savait que j'avais raison. C'est de très bons joueurs. On a des copains aussi qui sont pas là avec eux, mais on voit quand même que le football moderne, il faut que ça court. Hein. Technique, il faut que ça court. Ces gamins-là, c'est le cas. Okay. C'est technique et ça court. Donc c'était un très beau match, et puis je m'arrête pas sur la défaite. Sincèrement, 4-0, okay. C'est pas la défaite, c'est le jeu. Merci beaucoup. Deux belles équipes. Vous voilà. Pouvez faire une analyse vidéo sur la page de Carisport. Super, merci. Merci, au revoir. Et puis Carisport, je tiens à vous dire, les garçons, je vous suis, je suis vraiment fier de ce que vous faites. Ok? Vous avez des éducateurs qui vous encouragent beaucoup et qui vous apprécient parce que je vous suis tous les jours, je vois ce que vous faites. Ok, merci bon, beaucoup. Bon, et puis continuez comme ça. Merci beaucoup. Voilà.